camarade d'assaut, tu as la parole. Merci. Allô? Allô, allô. Charané, Charles Blegouté. Je vous aime tous, je vous aime. Je vous embrasse. En global, je vous embrasse. En global, je vous embrasse. Je suis serein. Merci. En global, ouais, non, je, non, 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 je suis pas d'accord avec vous. Non, le Satan n'était pas à moi, hein, le Satan n'était pas à moi. D'accord, je suis d'accord avec ça. J'accepte ça. Ok, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, il est d'accord, il est d'accord, il est d'accord, et vous avez raison, il est délivré. Donc maintenant, il va vous parler, il va vous parler. Écoutez-le attentivement, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut l'écouter? Chers amis, avant de commencer, je voudrais d'abord remercier mon cher frère Charles Blegouté. Par la suite, un remerciement particulier à son Excellence Monsieur Laurent Gbagbo, chef de l'État et candidat aux élections présidentielles. Et c'est bon, écoutez maintenant. Vous avez dit que je suis délivré. Attendez que je vous dise pourquoi je suis délivré. Voilà. Voilà. C'est un problème. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Camarades, on se calme et on va écouter maintenant, s'il vous plaît. On va écouter maintenant le message de Zasso. Calmez-vous et écoutez-le. Oh, s'il te plaît. En deux minutes, on l'écoute. Merci beaucoup. Ok. Chers amis, si ce matin je suis ici avec vous, c'est pour deux raisons. La première raison est que depuis deux jours, j'ai eu un débat télévisé avec mon cher aîné, Charles Blegouté. Avant ce débat, j'étais chez moi à Gagnois quand on m'appelait de venir faire un débat avec mon frère. Lui, sa femme, c'est qu'il est habitué aux télé. Parce que le slogan que vous appelez en global, là, vous allez donner l'argent pour ça tout à l'heure. Vous allez me perdre mes droits d'auteur. La deuxième raison, mais avant d'en arriver là, je dois d'abord me présenter à vous. Je suis Zasso Dagrou, je suis président du mouvement pour la défense de la vraie refondation, je suis porte-parole chargé de la jeunesse du candidat Alassane Dramane Ouattara. Il faut applaudir ça aussi, c'est important. C'est important, il faut applaudir. Ok. Alors, j'ai donné la première raison tout à l'heure, je donne la deuxième raison. La deuxième raison est que depuis hier, j'assistais au débat entre les deux candidats. Mais ce qui m'a plu dans ce débat, ça dit que c'était le ton. C'était un débat civilisé, un débat de responsable. Et c'est de ça que nous avons besoin en Côte d'Ivoire. C'est de ça que la jeunesse a besoin aujourd'hui. Ce qui m'a convaincu dans ce débat, c'est que c'est vrai, j'étais un ancien patriote. Ce combat que vous avez mené, j'ai commencé ça avec vous. Beaucoup diront peut-être que Zasso a trahi la lutte à 48 heures de la décision finale. Non, je n'ai rien trahi. Je suis ce que je suis.
Je n'ai pas trahi de lutte. Je voudrais présenter toutes mes excuses à ceux qui m'ont aimé de l'autre côté. Je voudrais présenter toutes mes excuses au docteur Alassane Dramane Ouattara. Je voudrais présenter toutes mes excuses à son entourage. Cette décision, je l'ai dit, pour une raison claire. Le débat d'hier, le candidat de la majorité présidentielle était face à mon candidat hier. Mais ce qui m'intéressait dans le débat, c'est que votre candidat, c'est-à-dire le candidat Laurent Gbagbo, qui sera maintenant mon candidat maintenant. Le candidat Laurent Gbagbo, non, il faut que vous sachiez que s'il est là, moi aussi j'étais là, j'étais à sa résidence pendant 3 mois. Donc ce combat-là, c'est notre combat. Le candidat Laurent Gbagbo, sincèrement, dans un jeu de dames, a damé tous les pions à mon candidat. Dans le style, dans le temps, dans le temps, dans le style, dans le comportement, sincèrement, il m'a convaincu hier. Dans son programme, il m'a convaincu sur tous les points. C'est vrai qu'au départ, je n'étais pas d'accord. Mais il a réussi à me rassurer. Qu'en réalité, si les choses n'ont pas avancé, c'est parce que réellement, il y avait des problèmes. Chers amis, Monsieur le Président, sachez que nous sommes d'accord avec tout ce que vous avez dit hier. Nous sommes votre jeunesse. Nous sommes vos enfants. Nous ne sommes pas fâchés. Je nous le répète, quand le rat rentre dans un trou et qu'il veut qu'il sorte, il faut mettre du feu. J'ai mis du feu sans le goûter à sortir. C'est ça aussi qui est la vérité. Il faut applaudir ça. Oui, il faut être dans l'opposition. Mais j'étais dans l'opposition. J'attaquais. Comme Dieu est Dieu, ce soir nous sommes là. Je voudrais en même temps profiter au nom de tous mes amis, tous ceux qui m'ont amené de l'autre côté, leur dire, l'heure n'est plus à la comédie. L'heure n'est plus à la passion. L'heure n'est plus aux émotions. Ce dont il s'agit aujourd'hui, comment faire pour sauver la vie de la jeunesse ivoirienne? Parce que moi-même, je suis jeune. Monsieur le Président, Charles Begoudé, j'ai décidé de soutenir le Président, comme je l'ai dit, d'abord pour la jeunesse ivoirienne. Oui, pendant des années, nous avons mené un combat. Mais arrivé à un certain moment, j'ai fait le constat. La jeunesse, cette jeunesse qui s'est battue pendant des années, j'ai estimé que cette jeunesse n'avait pas véritablement sa vraie place. C'est comme ça que j'ai pris ma position. Aujourd'hui, le président m'a rassuré. Je suis fier. Mais je prie Dieu et je souhaite que pour ce deuxième mandat, la jeunesse soit la priorité, monsieur le président, de votre deuxième mandat. La jeunesse soit la priorité de votre deuxième mandat. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je m'arrête là. Au revoir. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné par la Sainte Dramane Ouattara d'assassiner Gbagbo. Mais à la dernière minute, quand ils sont arrivés à la résidence, ils ont été confondus entre eux. Parce que Dieu a joué son rôle. Moi, j'ai les informations, parce que j'ai des amis au RDR. Auprès de Ouattara, des gens qui m'aiment, qui me disent des choses. Gbagbo devait être assassiné au golf. Parce que les gens n'étaient pas d'accord qu'on amène Gbagbo vivant. L'objectif, oui, il fallait éliminer Gbagbo et on n'en parle plus. On ne veut plus parler de cette histoire de Gbagbo. Et ça allait les permettre de gouverner tranquillement. Malheureusement, Gbagbo n'est pas mort. Je ne suis pas un partisan de la violence. Je n'aime pas trop la violence. Voilà, il fallait souvent organiser des manifestations où on voulait me mettre à la tête, où il fallait casser les bus et tout ça, on ne s'entendait pas du tout. Et j'ai été radié de la direction de campagne à Bouillon. Europe où je vis là, ce sont les luttes des gens qui ont fait qu'en Europe où on vit là, qu'on profite tous du social, du système politique. Allô?
Allô, Clara. Oui, bonsoir, cher aîné. Bonsoir, mon frère, comment tu vas? Oui, comment allez-vous? Ça va très bien. Dieu merci. Et le week-end? Oui, mon frère, ça va. Ah, tout va mieux. Dieu merci. Donc, on va vous laisser vos 10 minutes. Pas de souci. Ok, vraiment, merci beaucoup. Je peux que vous le recevez très bien. Hein? Oui, parfaitement. Donc, je dis bonsoir à tout le monde, hein, à tous les intervenants. Là, c'est Maman Ouragan, la sœur Funakura. En tout cas, tous ceux qui sont intervenus, hein, tous ceux qui sont intervenus ce soir-là. J'ai dit félicitations à la sœur Sali d'avoir insisté sur cette histoire de Gousmane, que certains vidéomans prennent comme argument pour attaquer le responsable du parti, notamment Sassou. Parce que ça ne serait pas bien de la part des assos de mal parler aujourd'hui à nos responsables politiques. Surtout quand dans un parti il y a tout le monde, Dassault a toujours l'habitude de laisser les responsables du Nord. Nous ne sommes pas dans un état d'ethnie ni de région. Dassault lui-même doit savoir aussi que ceux qui l'attaquent aujourd'hui là, ce sont des personnes qui ont risqué pendant près de 20 ans leur vie aux côtés du président Alassane Ouattara. La majorité de ceux qui sont au RHDP aujourd'hui, qui sont fondamentalement du RDR, ce sont des personnes qui ont été loyales au président Ouattara. Dassault doit comprendre, oui, que j'avais donné trois signes une fois sur cette plateforme. J'avais cité l'eau, le feu et la confiance, qui sont partis en balade en forêt. Et chacun avait donné consigne comme quoi l'eau avait dit que si je me perds dans la forêt et que partout où vous me cherchez et que vous voyez l'humidité, que fouillez très bien la terre, parce que là où il y a l'humidité, il y a de l'eau. Le feu avait dit que s'il arrivait que je me perdais, partout que vous allez fouiller, si vous voyez la fumée, cherchez très bien, vous me verrez là. Parce que là où il y a la fumée, il y a le feu. Et quant à la confiance a dit tout simplement de ne pas la perdre. Que parce que si vous me perdez, vous ne me retrouverez plus jamais. C'est ce que la confiance a dit. En un mot, pour dire à Sassou que ceux qui sont aujourd'hui autour du président Ouattara, quand même bien qu'ils sont du Nord, mais ils ont été loyaux. Celui qui vient du Nord, il n'est pas aujourd'hui avec le président Ouattara. Donc, ça serait injuste de traiter toujours ces cadres de cette région-là qui ont tant souffert. Il y a beaucoup qui ont perdu leur boulot, qui ont perdu leur famille, mais ils sont restés là parce qu'ils étaient des hommes de conviction. La grande erreur des assauts a été, et c'est ça qui joue sur lui, parce que tu peux pas te battre pour un combat. Et à la dernière minute, en tant qu'un jeune, et tu as été le porte-parole devant le monde entier, sur le plateau de télé, où le monde entier était braqué sur cette élection-là, et c'était le deuxième tour. Toi, Sassou, tu apparais à côté de Gbagbo Laurent. Et après cela, quand Gbagbo perd le pouvoir, tu as continué à dire sur toutes tes antennes, dans les vidéos, que Ouattara avait donné les consignes à assassiner Gbagbo Laurent.
Mais bon, Zassou, quand tu retournes, c'est vrai que tu es allé sympathiser avec certains responsables du parti, tels que la mère Bakayoko, par exemple, Amadou Gonkouloubali. Mais la confiance, tu l'as perdue. Mamadou Touré venait en second après toi. Tu étais le leader de la jeunesse RDR. Tu serais resté logique, constant, dans tes prises de position, même si tu n'avais pas été ministre parce que tu n'as pas le diplôme acquis pour être ministre. Mais tu pouvais occuper un poste de directeur ou bien, en tout cas, quelque chose à l'échelle dans une administration étatique quelque part là-bas. Mais ce que tu as été cité sur la toile, mais vous êtes dans une aigreur qui ne dit pas seulement. Parce que ce que vous ne dites pas, c'est qu'aujourd'hui, la sœur Rachel Crasso est beaucoup aujourd'hui avec les militants et les responsables du RAGP. Toi, Zasso, et puis Gouzdala, vous ne digérez pas ça. Vous avez dit ouais, qu'elle est une femme libre, qu'elle est une femme citoyenne. Donc, elle n'est pas militante du RAGP. À la base, elle-même, elle est militante du FPI. Elle est militante FPI. Mais quand elle vient, et qu'elle veut se prendre comme une intellectuelle, comme une grande dame, et c'est elle qui doit donner des leçons et des directions à l'autre qu'elle a toujours traité d'illettrée, alors qu'en réalité, c'est elle qui ne connaît rien, qui ne sait rien à la base. Mais Rachel Crasso s'est affichée après Gouza. Mais pourquoi aujourd'hui, Rachel Crasso est adoubée par tout le monde aujourd'hui? Parce que elle a des positions claires et nettes. Elle se fait respecter. Elle n'a jamais défié aucun responsable du parti. Elle a toujours dit qu'elle a la queue. Zasso, bon, je vous dis toujours, n'est-ce pas qu'il y a un coïncraque, un bracagnini. N'est-ce pas qu'il y a un faux. Le nom de vidéoman de RADP qui est Zasso en train de citer aujourd'hui là. Non, Frayina, ni Katiokokra, ni Bragatalo, c'est pas la peine. Donc, moi, je voudrais dire aux frères Zasso, plutôt que de t'asseoir, si tu veux partir au PDCI, mais Zasso, il faut partir au PDCI parce que tu es en train de faire l'apologie de Tidjane Thiam. Zasso, le président Ouattara n'est pas fatigué. Le président Ouattara, là, il nous a même pas encore donné les 1 millième de ce qu'il doit nous servir. Dès que le président Ouattara est fatigué, il doit se reposer. Tu rentres dans le même sillage de langage que des gens, certaines personnes qui se disent des militants RSDP qui sont aux États-Unis ici, qui ont argumenté cela avec la fatigue de Franklin Delano Roosevelt ici. Ils les ont combattus sur certaines plateformes. Et toi, aujourd'hui, tu es dans ce sillage-là que le président Ouattara est fatigué. Si Tidjane Thiam, mais écoutez, Zasso, mais je pense ouais, que quand il dit toujours que tu es à l'Occident, Joe Biden, je crois qu'il a 79 ans, ou bien il a 78 ans, ou alors bientôt il aura 79 ans, je crois que l'année prochaine, là, il aura, je crois, 80 ans, un truc comme ça, mais il est candidat. Ça compte des démocrates pour aller encore à un deuxième mandat. Il gère 50 États avec le monde avec. Il y a qu'un travail en Côte d'Ivoire et puis le président Ouattara va être fatigué. Il ne disait pas ouais, que tout est parfait. Mais voilà pourquoi il y a eu le remaniement ministériel. Parce qu'il y a des gens qui jouent le double jeu. C'est ce qui peut fatiguer le président Ouattara. Mais physiquement, moralement, il n'est pas fatigué. Il n'a aucun signe de faiblesse. Il n'a aucun signe de maladie. Pourquoi t'as ça, tu peux venir t'asseoir? Et même parce que tu souffres le chaud et le froid, mais les gens ne vont pas te laisser. Tu ne parles pas au nom du président Ouattara. Et ce combat-là, tu ne peux pas te l'approprier. La victoire de ce combat-là, toi, Zasso, à aucun moment tu l'as contribué, même si tu as été au début, mais c'est la fin qui comptait. Tu as dénigré le président Ouattara et ses collaborateurs. C'est toi, ta voix qui est en train de traîner sur les réseaux sociaux avec Touré Alpha Yaya,
où tu es en train de dire de te prêter 50 millions ou de te donner 50 millions, toi tu vas aller subventionner Bruno Conné. Mais ça bon, moi je dis aussi que c'est bien fait pour nos responsables politiques. Parce que si vous prenez n'importe qui, vous collaborez avec n'importe qui et n'importe comment, voilà comment ils viennent vous exposer sur les réseaux sociaux. Et le monde aujourd'hui est devenu un. Le téléphone là, c'est plus que cinéma. À tout moment, tu peux l'ouvrir et puis tu vas voir les gens directement comme si tu étais. C'est ce que Zasso est en train de vous faire aujourd'hui. En réalité, comprenez Zasso parce que Bruno Nabagnou-Collé ne l'a pas appelé pour aller battre campagne. Il s'est jeté là-bas parce qu'il était en conflit avec Touré Alpha Yaya. Il voulait régler le compte de Touré, il voulait régler ce compte avec Touré Alpha Yaya. C'est-à-dire que maintenant, comme la campagne est finie, et que Bruno Conné vit ses occupations, et son staff ne lui fait pas face, vous comprenez, c'est ça la sortie de Dassault. Croyez-moi qu'en partant là-bas, il va avoir des contrats. Et c'est les mêmes là, c'est les mêmes personnes comme les Bouza. Je pense ouais, qu'eux, ils sont plus intellectuels que les jeunes qu'ils ont trouvés au RHDP. Voilà leur mentalité. Zasso, le mot Boussoumani là, c'est pas de l'injure. Le mot Boussoumani, c'est un nom anglais. Bushman. C'est ce que nos parents ont abrégé pour dire Boussoumani. Quelqu'un qui vit dans la forêt, qui vient de la région forestière. C'est pas de l'injure. Et par vos comportements, nos frères non djoula pensent qu'aujourd'hui le mot Boussoumani là, que c'est de l'injure. Par exemple, si moi je suis par exemple avec un frère, on rentre dans la cour familiale, et que mon père me demande quand il me prend en zéring, moi ça va non, go tchéro Boussoumani. Quand je dis go tchéro Boussoumani, le vieux va comprendre ouais, que soit il est chrétien. C'était comme ça. Ça, ça n'a pas envoyé des palabres entre nos parents, nos grands-parents et nos autres frères. Pourquoi aujourd'hui ça, tu vas prendre ça? Je t'amène à écouter la vidéo. Parce que nous aussi, les ressortissants, comme vous voulez tribaliser le débat malheureusement, il n'y a pas quelqu'un qui se plaint plus que les jeunes du Nord. Mais je vais t'envoyer à écouter la vidéo de Guigui Le Grouilleur, un de tes frères bébés, qui avait fait la vidéo sur la route entre Issia et puis Gagnouala. Mais il a accusé ses frères d'être paresseux que parce que quand lui, il allait faire les papiers de sa voiture là, il n'a pas attendu guider, il n'a pas attendu taper, il n'a pas attendu, et que tout c'était seulement Conné, Touré. Mais que vous allez dire aussi, ouais, que ils viennent faire la carte, c'est-à-dire ils viennent faire la carte grise de leur voiture. Que là-bas là, au guichet unique là, je n'ai pas attendu guider, je n'ai pas attendu Esseri, je n'ai pas attendu taper, je n'ai pas attendu Yao. Que c'était les Touré, les Conné, les Cissé, les Doumia. Donc vous allez dire encore ouais, que non, c'est le président Ouattara qui est en train de payer une voiture pour donner à tous ces noms-là. Je vous traite tout simplement de paresseux. C'est ton propre frère Guigui Le Grouilleur qui est un bêtier de Gaïwa. Il fait des vidéos. Il vend encore les terrains à Tchassalé, en Doucy. Il a fait vidéo encore que tous les terrains qui sont ici là, que c'est pour les jeunes du Nord. Mais attention, si tu ne veux pas te battre, viens au moins avec quelques millions, commence ton projet, les gens vont te voir, tu es en train de faire. Et puis là, comme ça, si on te finance, ou alors tu as demandé un financement, mais tu peux patienter. C'est pas parce que tu es vidéoman au RHDP qu'on doit sauter les rangs. Mais ça doit être même une honte pour ceux qui sont à l'Occident, venir encombrer les responsables politiques en Côte d'Ivoire. Pour les dirigeants qui sont votés pour accompagner nos jeunes frères qui sont restés au pays. Nous tous, nous avons quoi au pays, c'est dur. Toi, au moins, tu dis que tu as ta famille en Suisse, que c'est le gouvernement suisse qui paye ta maison, qui s'occupe de ta famille, qui vous donne à manger.
Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas cette situation-là, il n'y a pas cette aide-là. Il n'y a pas d'aide sociale en Côte d'Ivoire où le gouvernement prend des pauvres en charge, payer la maison, payer de l'eau, payer le courant, tout, donner à manger. Notre richesse n'est pas encore arrivée à cette étape-là. Quand même bien, ouais, que le président Ouattara donne 36 000 francs à des familles les plus démunies. Je crois chaque 3 mois. Ça ne se fait pas dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, dites aux frères d'assaut que de te mettre à dire qu'ils sont méchants, les cadres du Nord, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, mets-toi au travail. Moi, je le souhaitais, par exemple, que tu viennes de la Suisse avec des opérateurs économiques et puis monter un partenariat avec eux. Il y a le cacao. Les Suisses, et moi, je passe tout ça sur le live ici. Les Suisses, c'est les grands consommateurs de cacao. Mais cherche des partenaires suisses. Tu viens en Côte d'Ivoire. Les gens vont t'appuyer. Mais on ne peut pas prendre comme ça de l'argent liquide comme toi tu veux. Les 100 millions, 200 millions pour pouvoir te remettre. Mais tu vas faire quoi? Tu n'as jamais géré une entreprise. Tu n'as jamais créé une entreprise. On ne t'a jamais vu être entreprenant. Et tu veux les 200 millions, les 100 millions. Tu ne vas plus loin qu'on va vous donner de l'argent, vous allez faire des voyages, aller parler de la sous-région. Mais il y a les ambassadeurs qui sont là. Quand tu vas aller au Mali, au Burkina, qui va t'écouter? Par quelle voix? Aller s'asseoir sur le plateau, faire des débats à la con? Non, je pense que le pouvoir du président Alassane Ouattara est plus sûr que ça. Donc, tu as perdu la confiance des gens depuis 2010. Et moi, je le dis toujours ici que la confiance, ça ne se décrète pas, ça se mérite. Aussi en politique, là, c'est pas seulement les grands diplômes. Le président préférait des gens qui lui sont loyaux, des personnes qui lui sont loyales, que des diplômés qui peuvent lui planter le couteau dans le dos, comme les Duncan. La raison pour laquelle il s'est débarrassé de Duncan, c'était quoi? Parce qu'il a comploté avec Soro Guillaume pour pouvoir lui l'assassiner. Est-ce que le diplôme que Dade Kabla Denga a, Kandia Kamara a ça? Non. Denga est mille fois diplômé que Kandia Kamara. Denga a mille fois d'expérience que Kandia Kamara. Mais elle est aujourd'hui sénatrice, la première présidente. Vous pensez que quoi? Elle est diplômée. Mais par rapport à Denga, non. Mais c'est la confiance d'abord. La loyauté. Mais toi, tu as été jeune, très jeune. Bon, ça, on te pose une simple question. À supposer ouais, que le Gbagbo avait pris le dessus sur Ouattara, tu allais revenir au rien? Il y a cette question à poser. Mon frère, Claude, si tu as quelque chose à ajouter, je vais m'arrêter là. Cher Anne, vous avez tout dit. Hein? Seulement qu'on ne peut que donner des conseils au frère et lui rappeler que c'est son parcours de vie qui le piège aujourd'hui. Et lui-même, au lieu de comprendre cette situation, il ne fait que compliquer son cas davantage. Et malheureusement, comme vous l'avez dit, ce n'est pas seulement les diplômes qui font un homme, mais c'est aussi ta crédibilité dans la vie. Voyez-vous, aujourd'hui, quand les entreprises cherchent des gens, ils cherchent certes des employés qualifiés, mais ils cherchent d'abord des personnes qui rentrent dans un certain canevas d'humanité. Et vous serez d'accord avec moi ici qu'aux États-Unis aujourd'hui, si toi on te prend, tu viens faire ton boulot, puis tu rentres à la maison, tu ne parles pas, tu ne causes pas avec quelqu'un. Ah, ce boulot-là, même si tu fais bien ton boulot-là, on va dire que tu n'es pas empathique. Ça compte dans l'environnement du travail. Et tout ça, parce qu'on veut construire les caractères humains. Et dans les caractères humains, une fois qu'il y a déjà cette cassure-là que toi, on ne peut pas te faire confiance, parce que tes actes antécédents, tes actes du passé ont prouvé que tu n'es pas fiable, tu vas beau te plaindre, personne ne t'écoutera. Et puis, cher Anne, ne nous blaguons pas. Ce que nous disons, ce que nous faisons sur la toile là, même quand tu viens allumer ta caméra, c'est facile, tu parles 5 minutes. On vous dit toujours ici que nous là, nous les EPV là, on a une patrouille composée de plus de 500 personnes sur la toile. Dès que tu as parlé là, si on ne te répond pas là, ou on ne te dit rien là, c'est qu'on a déjà calculé, on a déjà analysé, ça ne sert à rien et on laisse tomber. Sinon, si tu dis quelque chose à la seconde près, c'est analysé, c'est étudié et on reçoit.
Ça, c'est nous à notre niveau. On n'a même pas dit ça, c'est au niveau du gouvernement. Non, 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 non. Ça, c'est nous, la classe éclaireur pro-vérité, là. Nous, on ne cache rien. On a plus de 500 personnes sur la toile. Pour Facebook seulement. Tous ceux qui parlent, que vous soyez opposants, RHDP, comment se fait-il qu'on a les yeux, les oreilles, la bouche partout? Posez-vous bien cette question-là. Vous pensez qu'on a assis 24 heures? Non, 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 non. Chacun a une tâche. On surveille tout le monde. Et donc, une fois que certaines choses vont mal, on sort pour venir essayer d'apporter la contribution qu'il faut. Et il y a certains comportements, une fois que tu les prends, tu te condamnes davantage. Regardez, bon, chère année, je vais dire la vérité même. Vous voyez la mère Crasso, la dernière fois, elle était partie au Cocan, non? Oh ouais. Voilà. Le jour où je suis sorti ici pour détailler comment les choix ont été faits là. Ce jour-là, elle a appelé Marius et elle s'est plainte. Est-ce que vous entendez bien ce que j'ai dit? Oui. Marius m'a appelé et dit, ah, il dit oui, c'est une de nos bonnes combattantes et surtout que c'est une dame très respectable. Essayons de voir ce qu'on peut faire pour elle. Mais elle a été reçue. Elle a été reçue. Et ce jour-là, en partant au boulot même, c'est là qu'on a tenu la conversation et on a décidé de ça. Mais est-ce qu'on est obligé de venir dire... Mais pourquoi les gens m'ont appelé pour demander? C'était pour voir la ligne de communication, pour s'assurer. Mais on ne parle pas toujours de ça. Ou mais on ne fait pas toujours ça. Parce qu'on se dit qu'on est en train de construire un idéal de société. Mais Zasso, le message, Boussoumani Oumé est en train d'attaquer les cadres. Ce n'est pas le Nord seul qui a les cadres. Il y a les cadres aussi, Bété aussi, qui sont dans RHDP. Là. Attaquez là aussi. Comme il y a les cadres de l'Ouest aussi, Gouza, attaquez les cadres de l'Ouest là aussi. Mais vous-même, vous êtes des xénophobes que vous voulez cacher. C'est pourquoi on vous a dit, vous critiquez globalement. On va revenir à ça. Parce que vous avez voulu faire singulièrement auparavant. On vous a maté une première fois. Tu veux venir reprendre. Zasso, je t'ai déjà dit, aujourd'hui, on m'a fait parvenir. Si tu es garçon, faut faire encore une vidéo. Tu vas parler encore des cadres du Nord pour dire que quelqu'un est xénophobe. Faut parler globalement seulement. Je vais mélanger ta vie. J'ai dit, je vais mélanger ta vie dans tous les sens. Et c'est là que tu vas savoir que il y a piment et puis il y a gombo. Ça, là, on suppose que c'est une erreur, que tu t'es trompé. Mais il faut réessayer encore. Faut dire les mêmes choses encore. Tu vas savoir qu'il y a un garçon qui est là. On est en train de tout faire. L'opposition est en train de faire des messages de haine, de division. Ils veulent nous amener sur le terrain xénophobe pour faire campagne de 2025. Mais on ne va pas accepter. Et pont qui a été construit, on va prendre pour vous montrer, pour dire que Oufoué même n'a pas réalisé. Oufoué a rêvé, mais c'est Ouattara qui a fait. C'est sûr qu'on va faire campagne. Et toi, tu dis que tu es du RHDP et tu tombes dans ce piège-là comme un novice. Zasso, les cadres du RHDP que tu vois là, ils ont travaillé. Les cadres du RHDP, là, montre-moi un qui est paresseux. Mamadou Touré, que tu vois là, il s'est formé. Les gens pensaient que non, on est contre Mamadou. On n'était pas contre Mamadou. Bon, bon maintenant qu'on n'est plus contre lui là, est-ce qu'on allait dans son bureau? Non. On voyait un potentiel en Mamadou. Et nous, on ne peut pas être des hypocrites pour tourner autour de lui, pour ne pas lui dire la vérité. Mais allez demander à Mamadou là. Si nos critiques là l'ont aidé, sans ces critiques que nous avions fait là, il n'aurait pas changé. Le président n'allait pas le prendre pour aller être candidat dans une zone difficile. Un moment, Mamadou Touré s'est fait entourer d'individus nuisibles à sa carrière, qui lui disaient que des choses qu'il veut entendre. Mais nous, on n'a rien avec lui. Nous, on ne s'entend rien, on ne s'attend à rien avec lui. Mais nous, on va lui dire la vérité, à lui de changer, à lui de ne pas changer, c'est son problème. Mais Dieu merci, il a changé. Mais aujourd'hui, regardez le capital confiance dont il bénéficie. C'est de cela qu'il est question. Pourquoi il y a des gens ici comme les Thébé, on ne parle jamais d'eux? Pourquoi il y a des gens comme les Vagabonds? Ah, non, parce qu'ils sont misérables, donc ils vont tirer sur nous. Si moi, Thébé a tiré sur moi, là, il va gagner quoi dedans? On va dire, tu as tué, ça va servir à quoi? Non, ce n'est pas ça. Il y a des gens même là, pour parler d'eux même là, toi-même, ta conscience même te dit que tu n'as pas honte. Parce que ce que tu dis là, vraiment, c'est par méchanceté que tu vas le faire. C'est pas parce qu'il est le frère d'Alassane Ouattara. Et même, c'est un poids moral sur lui. C'est encore plus difficile. Mais eux là, ils font sortir leur épingle du jeu. Montre-moi un cadre qui s'est assis comme de la monnaie. Toi, tu es assis.
et puis l'argent est tombé dans sa main, et puis lui va prendre maintenant une partie des données. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. À un moment, faisons de nos vies des exemples des générations à venir. Zasso, c'est pas glorieux de dire que ta famille vit de l'aide sociale. Je t'ai déjà dit ça une fois. Moi, là, ma famille ne vit pas de l'aide sociale. Je t'ai dit ça. Je ne me compare pas à toi. Mais c'est une manière de te dire que quand tu viens en Occident, là, la qualité même des hommes en Occident, là, on te dit dans les documents, là, il ne faut pas être une charge publique. Mais quand tu t'assois, tu dis que non, toi, ta famille est dans l'aide sociale. Est-ce que ça aide la société où tu es, ou même où ta famille est? Est-ce que tu connais les implications de ceux qui vivent de l'aide sociale? Et donc, quand tu veux exporter cela en mode de vie et t'imposer, parce qu'en réalité, ce qui est dans ton subconscient, là, donnez-moi de l'argent, puisque je vous ai soutenu, mettez-vous à ma disposition chaque fois que j'ai besoin d'argent, donnez-moi, moi je vais dépenser. Tu vas faire la vie de louga. Hé, hey, ça c'est mal connaître le RDR. On est en train de parler là. Moi, je vous dis toujours, tout ce qu'on est en train de dire là, on va revenir au RDR. Parce que tous nos ennemis là vont se griller eux-mêmes. Souvent, on dit des choses, les gens ne prêtent pas attention. Quand il y a eu le remaniement net, la première parole que j'ai dit, il y a beaucoup qui vont se griller dans leur propre graisse. Beaucoup ne se souviennent pas de la parole parce que les gens écoutent mais n'entendent pas. J'ai dit, il y a beaucoup qui vont se griller dans leur propre graisse. Parce que le président là, c'est lui qui sait où mettre les dés, il sait où mettre les pions. Et quand toi-même tu viens montrer tes limites là, il n'y a plus quelqu'un qui peut te défendre. Et petit à petit là, les gens même vont s'éliminer eux-mêmes. Et on va se retrouver dans le RDR pur et dur. Et c'est là que nous autres on sera encore plus heureux. Vous avez critiqué, critiqué, ostracisé. Aujourd'hui les gens maintenant du RHDP se sont formés. Cher aîné, il faut dire ça à tes parents du Nord là. Que les vrais militants du RDR, là, ils se sont formés aujourd'hui. Au lieu de compter sur les intellectuels des autres partis, là, ils n'ont qu'à compter sur eux-mêmes leurs propres intellectuels. Ils n'ont qu'à compter sur leurs propres communicants. Il ne sert à rien de former des gens qui vont toujours être des couteaux à double tranchant. Cher Anne, est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit? Effectivement. Il faut leur dire qu'à un certain moment, là, Alassane Ouattara, là, à l'école, il est venu prouver qu'il a Alassane Ouattara, qu'il n'y a pas son dé. Que derrière Alassane Ouattara, là, il y a encore beaucoup de personnes qui se sont formées aussi. On a la Boudramane là qui sont là-bas. Mais on a encore beaucoup qui sont dans l'ombre, qui se sont formés et qui sont là aujourd'hui. Là. N'ayez pas honte. Vous qu'on a dit que vous n'alliez pas à l'école hier, là, beaucoup de vos enfants se sont formés aujourd'hui. Beaucoup sont capables aujourd'hui de faire le travail. Ne faites plus de procuration. Quand tu as trop subi à un certain moment, il faut être capable de se lever. C'est un idéal de vie que nous voulons construire. Nous, on s'en fout des destinies. On s'en fout des... Je le dis ici, on s'en fout des religions, on s'en fout des ethnies. Parce que tu peux être dans une religion, être le pire des humains. Tu peux ne pas être dans une religion comme Mernina et être une bonne personne. Et le reste du jugement, là, c'est à Dieu que ça appartient. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? Entre un homme qui est bon naturellement et un bon religieux qui est mauvais, qu'est-ce que vous choisissez? À un certain moment, n'ayons plus honte. Ceux qui veulent le discours xénophobe, là, sachez que nous, on est prêts. On va le tenir avec vous. Quand vous allez commencer, là, nous, on va faire là où vous ne voulez pas qu'on aille, là. On va appeler chaque chose par son nom. Et c'est ce qu'on est en train de dire. Zasso, tu es Boussoumani aujourd'hui, tu es Boussoumani demain. Vous tous, là, vous êtes Boussoumani 1000 fois. Si ça ne te plaît pas, là, faut couper le côté qui est en toi, là, tu jettes ça dans le WC. Mais ça va pousser encore sur toi. Parce que c'est ce que Dieu a voulu. Comme ceux aussi qui sont du là. Même s'ils veulent refuser d'être du là, même s'ils se découpent eux-mêmes et puis jettent là, ça va pousser pour sortir. La nature d'un homme là, c'est Dieu qui décide de ça. Personne n'aura honte de ce qu'il est et chacun va s'assumer et on va se dire la vérité dans ce pays là. Et donc, soyons humbles dans ce que nous faisons et allons à une unité dans notre nation. C'est ce qui pourra aider les uns et les autres. Et donc, cher aîné, c'est là que j'allais m'arrêter pour vous dire vraiment merci beaucoup. Continuons à faire confiance au président. Oui, oui. Ok, Claire. Donc, merci beaucoup pour la clarification.
Merci beaucoup pour la précision. Et ce que je veux dire pour terminer, c'est de dire à Zassou, si lui-même là même il s'écoute, la ministre de la solidarité, de la réconciliation actuellement de la solidarité, Rosa Miss Delmont, vient de sa région. Pourquoi il ne va pas travailler avec elle? Parce que pour lui, il est beaucoup plus ancien que Miss Delmont. Mais tu viens de tout dire, hein? Et même, ils finiront par se griller dans leur propre graisse. En tout cas, ils peuvent tout dire. Zassou peut tout dire, sauf ce qu'il veut conduire au président Alassane Ouattara et son gouvernement. Mais tu as tout dit. Il n'y a qu'à aller plutôt chercher à travailler. Dans aucun parti au monde, nous avons vu un gouvernement sorti de l'argent et distribuer ça à ses militants. Mais, dans toute chose, mon frère éclaireur, il faut toujours chercher la bénédiction et la baraka. Baraka, t'es Zassou. Zassou n'a pas la baraka. Zassou n'a pas la bénédiction derrière lui. Et il fonce toujours droit dans le mur. Mais, tes aboiements sur les réseaux sociaux, là, Zassou. Tu vas même jusqu'à dire que Mamadou Touré ne peut pas dire au président Ouattara que toi, Zassou, tu es là. Mais Mamadou Touré, là, il est discipliné. Mamadou Touré ne peut pas sauter le Bakongo, le Kone Kafana et demander de l'alliance pour toi au président Ouattara. Mamadou Touré a commencé la politique quand? C'est quand on l'a connu. Réellement, à partir de 2010, là, même s'ils disent ouais, qu'il partait faire les abois. Mais à ce moment-là, il n'était pas trop connu. Moi, je l'ai suivi depuis qu'il avait son petit mouvement CPC, quelque chose comme ça. Il faisait son mouvement de choses parallèlement à la jeunesse RDR. Mais on le créait avec. Il avait sa petite structure de mouvement. À chaque fois, il faisait des sorties. Souvent, la police les chasse, ils sont poursuivis, ils sont recherchés. Il a fait un témoignage la fois passée. Pourquoi les gens doivent pardonner? Et c'est toi, Zassou, qui as subi ça. Non? Mais tu étais le patron des Zassou, tu étais le patron de Mamadou Touré, au sein de la jeunesse RDR. C'est parce qu'il est resté constant, il est resté loyal, il est resté respectueux. Mamadou Touré ne fait jamais de sortie où il attaque les cadres. Parce qu'il sait d'où il vient et où il s'en va. Mais quand tu viens toujours attaquer, toi et puis les Gouzas et puis votre groupe et puis maintenant d'autres personnes que je ne citerai même pas leur nom que tu es en train de citer. Mais c'est pourquoi je dis, il faut chercher la bénédiction. Si toi maintenant, il y a certains vidéomans qui sont avec toi aujourd'hui, que toi tu cites, mais Baraka Taïlo, vous n'avez pas la Baraka. Et en toute chose, c'est pas le début qui compte, c'est la fin. Ne vous fatiguez même pas, avec leur groupe là, on se connaît très bien. Cette fois-ci, quand je vais sortir contre eux là, eux-mêmes vont quitter RHDP, la personne ne va leur dire. C'est moi, je leur ai dit ça. Non, moi, je dis toujours ouais, que en toute chose là, c'est pas le début qui compte, c'est la fin. Mais quand tu n'as pas la bénédiction, tu vas bien commencer et à la fin là, tu te grilles toi-même. Or, quand on fait quelque chose, c'est pour avoir les avantages. Bon, que Dieu bénisse notre président, il a voyagé aujourd'hui. Non, c'était que hier Dieu soir, le bénisse, hier, que Dieu lui donne hier, bon hier, retour. C'était hier soir. Et, ok, depuis oui, hier soir. Oui, oui. Et en même temps aussi, il y a quelqu'un qui lui avait donné 3 mois. Et les 3 mois se sont bien terminés. Et le monsieur, lui, là, il allait rejoindre ses ancêtres. Oui, on a vu ça sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez. Donc, tout ça, c'est Dieu. Que nous autres qui sommes ici, que Dieu nous donne longue vie, la santé. Que Dieu fasse ouais, qu'on puisse assister et accompagner le président Alassane Ouattara jusqu'à la fin de sa carrière politique et au-delà. Amen. Que Dieu nous donne toute longue vie. Amen. La santé surtout. Amen. Amen. Donc, on dit à Zassou que c'est dommage. Il peut partir au PDCI, hein. Tidjane Tchab vient d'arriver. Je vais profiter pour dire à nos parents du Nord.
Tijan Tiam. C'est pas une affaire du Nord, c'est pas une affaire des musulmans. Tijan Tiam, il est PDCI. Tijan Tiam n'a jamais battu de campagne pour Ouattara. Tijan Tiam n'a jamais été le défenseur du parti de Ouattara. Tijan Tiam est PDCI. Tijan Tiam n'a rien à voir avec le combat politique de la dignité, parce que ce sont ses parents qui ont instauré ça, à faire du Ouattara. Il était avec Bédié, il était dans le gouvernement de Bédié. Quand Bédié était en train de tuer ses parents du Nord, lui, Tijan Tiam, il était là, il n'a pas démissionné pour dire qu'il ne suis pas d'accord avec cette politique. Donc, Tijan Tiam communiquait en à côté. André Sylvain, qu'on est en train de dire que Tijan Tiam a le même profil, et même Zasso l'a dit, que Tijan Tiam a le même profil que le président Ouattara. C'est pourquoi j'ai dit à Zasso, tu es maudit. Tu es très maudit. Wallahi Bilat Alaï. Tijan Tiam n'a pas le même profil que le président Ouattara. Tijan Tiam n'a jamais eu le parcours professionnel du président Ouattara. Et Tijan Tiam n'aura jamais le parcours professionnel du président Ouattara. Et nous disons encore à André Sylvain Konan, Tijan Tiam là, il n'a pas l'âge du premier fils du président Ouattara. Et à partir du moment où il va être président de la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas dans un débat de famille, ni de Kabla. C'est-à-dire que Kabla là, ça veut dire Malégué, la grande famille. Si il se sent capable de diriger la Côte d'Ivoire, on parle de la nation. Si il veut, André Sylvain Konan, tu peux envoyer ton fils pour se présenter contre le président Ouattara. On va compétir. Celui qui va gagner va diriger la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas la propriété privée de qui que ce soit. On ne parle pas assez des familles. Ok? Sinon, Macron n'allait pas se présenter contre les Jean-Luc Mélenchon et autres, tous les dinosaures politiques en France là. Il y a certains parmi eux, Macron vaut l'âge de leur fils. Ils ont compéti, Macron a gagné, il dirige aujourd'hui la France. Donc, quand on parle de la politique, il n'y a pas fait de famille. André Sylvain Konan, je le dis encore, c'est ta mère qui n'a pas honte, c'est tes aïeux qui n'ont pas honte, et toi-même qui es un enfant indigne, mal éduqué, mal élevé, si tu n'es pas sorti de ta gueule, que si le président Ouattara a honte, il ne va pas se présenter contre Tidiane Tcham. Et c'est vous, les mêmes là, du PDCI là, qui avez traité Ouattara d'étranger. Et comme aujourd'hui, Tidiane Tcham vient de votre cercle là, Tidiane Tcham aujourd'hui n'est pas étranger. Mais vous allez trouver les vrais xénophobes en campagne contre vous, c'est-à-dire les Bords. J'ai déjà dit à mes parents en Côte du Nord, Tidiane Tcham Komini, Nord Côté, Tidiane Tcham Komini, Slama Côté, Tijan Tiam Komini, ça ne nous concerne en aucun moment. Tijan Tiam, ni Bédié, ni Soro Guillaume, ni Bago, ni Blé Goudé, a une affaire à l'Union en 2020 pour faire le CNT, la désobéissance civile. Tijan Tiam, tout au groupe là. Zasso, quand Tijan Tiam, au créneau d'État lobby, quand Tijan Tiam, ni Alassane Ouattara, quand il a barré nos créneaux, Tijan Tiam, ni mon cas foi n'y en a. Parce qu'il y a tout le monde au comme il y a Ouattara Bakoro, Tijan Tiam, ou le Ouattara, a la diplôme ukrainien, a une barre là, ou bien ukrainien, tu y en a, Tijan Tiam, a timini, yura yura lo, ana ou yura bela benali, a keni nyamoua y bangi bangi la, ana ou bangi bela benali, a la san du matimi yura siro, nam ma abru noto yura mino, c'est-à-dire, sababu nyuma broma, c'est-à-dire, nyali broma, Tijan Tiam timini yura yura lo, ana yura be tiyenali. A Franco Bangui mina Suisse, crédit Suisse là. Bangui miwe, a bemetje ou fou boigny, ou la yori a une société. Ni mina action ka chaya, ou beseka mourota, abeseka ka dinakaye, abeseka ke, en tout cas, à la mou, mou mandouna la. A la maire, abeseka ke ati dinamoye, mi beseka ou société dirigée. Tijan Tiam n'a crédit sur ce moyen de faire au problème. Parce que, au fond, la voulu le voir en nous, non. A quel baguille n'y a au problème. A donc, il y a le baguille n'y a pas au blani, ou à chani, sani, kemé, ni grika, sani, kemé, ni boye. A blani, il y a un bangui, n'y a moyen de faire la bangui la bi. A ou yara yara lila.
Afrani Ali Bédié et Tounou Omro en 2020, quand le coup d'État que Alassane Boué a écouté aller la fille, mais n'a que transition Masaye, avec la calligraphie Mambé. A Irom Nobi, Barret Abro, a Choumagia Brulema. André Sylvain Koulan, Ani Zassou, oui, tu viens de me dire Alassane Mabi. Mais maintenant, tu sais que tu as besoin de moi. Mais tu sais que tu as besoin de moi. Il faut nous dire les Angouris quand nous l'avons. Faut Alassane Ouattara que un candidat en 2025. Alors, vous ne pouvez pas faire de quoi Alassane Ouattara va faire. Amérique, il y a un sangi bis, un sangi bis, dirigé Kabako, Kadunyam dirigé Kalakoka. On est Waranoua ou bien Kodiwa Fidjini Mini. On est dans la salle de votre affaire là. Elle était à vivre à Yenade. Djulako le mandat indien. Elle était à vivre à Yenade. Quand la salle de votre affaire, quand Djulale. Donc Djulam a été à même à la Kodiwa. Amérique n'a Amérique ya. Procureur n'a Amérique la Sorola. Allez, Américains, vous avez donné un signe qui est sur la Djamana. Mais ça, c'est un peu de temps. Il y a un peu de temps. De l'anneau Roosevelt. A Krembe, le nan signe nani que la. Masaya la Amérique yan. Sanyi nani nani signe nani. Sanyi tan woro. Ano sani masaya la li. Ano tami ambro wolo. Dati wulu natu le kloko ou basse. Ani bisa ani do ou kera la san kota la jen. Ala sini kena jambira jenima. Ala sini kena dama. Ala mbela jemiso sini kenya la, ala jamana ni yasuma. Me mwomi wuna tafure jina kofe. Ko ala sani watera, ba aseye. Ayanti gweni kabakuru ni bire ni. Paske sitena ile. Ko jumalo mbire ile. Zaso ubro leba. Ayo do asha. Muru konoreji majaba. Me. Comme Alassane Frani doit vous donner, Braka Dini, abonnez ma série comme un gros comme un gros Nangama. Un bel Nangama Corolo. Nangama. Un de vos followers. Mais Alan Zossi Nikanyala. Alan 2025, Alan Zitimaka. Inch'Allah, la Frambe n'a ok. A bon moment, la Kambolani. Un bel Ansi qui joue au Nobel. A nous, Alassane Valère Long. Anuba Alassane Valère Long, Anvrani, Anablo Frani, Alassane Mou Kurunde, Animo Majin, Mina Fodokrina, Ko Anab Dakandila, Kwa Make. Parce que Oroni, Oriente Sana. Je vais m'arrêter à le soir là. Vraiment, merci beaucoup, cher Ané. Vous ne savez pas, mais c'est un coup magistral que vous venez de donner. Et après, moi, je vais te découper. Et vous voyez que depuis un certain temps, je fais exprès pour faire parler les gens dans nos langues. Ce que les gens n'ont pas encore compris là, nous on a déjà commencé 2025 comme ça. Et on va faire que le message va toucher les gens dans leur propre langue et les gens vont bien comprendre le problème. Surtout qu'il faut qu'on ajoute que ce Tidjan Thiam, il n'a plus de boulot, il vient en Côte d'Ivoire, les banques qu'il a fait tomber dans le monde là, il va venir prendre l'argent des Ivoiriens pour aller payer les dettes du Crédit Suisse et des autres banques qu'il a fait tomber. Nous, on préfère Ouattara qui prend l'argent avec les Blancs et puis vient mettre ça en Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, on doit savoir faire notre choix. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné.